Torbjörn Blesko, alias Jacques Est. Monsieur le Président, la 41e session de la Conférence Générale, Madame la Présidente du Conseil Exécutif, Madame la Directrice Générale, Honorables Ministres et Chefs de Délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, chères familles, chers Christians, c'est avec respect et solennité que je m'adresse à vous aujourd'hui alors que j'assume émue mais enthousiasmée mes fonctions de présidence de la 42e session de la Conférence Générale. C'est un honneur pour moi et mon pays, la Roumanie, qui préside pour la première fois un organe directeur de l'UNESCO, 67 ans après son adhésion. Outre le fait d'être la première ambassadrice de la Roumanie auprès de l'UNESCO, je suis fière d'être, comme la directrice générale a mentionné, seulement la 5e femme à présider la Conférence Générale et la 4e provenant du groupe Est européen en 78 ans d'existence de notre organisation. C'est un message d'espoir, comme vous l'avez dit, pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, l'une des priorités globales de l'UNESCO, et une reconnaissance de la valeur de l'UNESCO. D'écouter avec un cœur compréhensif, puis agir avec un esprit décisif. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude aux autorités roumaines qui ont soutenu et promu ma candidature dès le premier jour. Je remercie également les membres de notre groupe électoral et tous les États membres pour la confiance unanime qu'ils m'ont accordée. C'est une joie immense d'être acclamé et de bénéficier de la confiance de ses collègues. C'est extraordinaire. Un profond merci à ma famille adorée qui m'a toujours soutenue et entourée de son amour et de sa patience et qui est représentée ici par ma mère Sabina et mon mari Ovidio. Origines de Satomar, une communauté multiculturelle, multireligieuse et multiethnique en Transylvanie, dont je salue les représentants ici dans la salle. C'est là qu'on m'a instruit des valeurs qui me guideront dans l'exercice de ma fonction. Dignité, dévouement, tolérance, transparence, équilibre. L'histoire multiséculaire et tumultueuse de mon peuple roumain m'a elle aussi enseigné une leçon précieuse. Pour être respecté, il faut respecter à son tour. J'aimerais exprimer ma sincère reconnaissance et mon admiration envers mon prédécesseur, le président Santiago Irazabal-Murao, pour sa présidence éclairée et pleine de sagesse. J'ai la ferme intention de m'appuyer sur ses succès en cultivant la continuité entre nos visions et nos actions. Je tiens également à féliciter chaleureusement
la remarquable présidente du conseil exécutif Tamara Rastovatsiamashvili et moi à Pierre Pelletza, pour son talent exceptionnel à mobiliser les opinions de tous les membres du conseil et à les traduire efficacement en documents de travail inscrits à l'ordre de notre conférence générale. Permettez-moi d'applaudir la directrice générale, Audrey Azoulay, pour sa brillante, son brillant leadership et pour la passion avec laquelle elle s'efforce de montrer au monde ce que signifie le multilatéralisme en action et pour son travail acharné aux côtés de sa formidable équipe UNESCO en faisant avancer l'agenda de l'organisation. Mesdames et messieurs, nous sommes ici ensemble pour inaugurer un nouveau chapitre de l'histoire de notre organisation. Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux États-Unis d'Amérique pour leur retour au sein de la communauté des nations de l'UNESCO. Welcome back. Certes, ce multilatéralisme élargi renforce notre capacité à relever les nombreux défis complexes et interdépendants auxquels nous sommes confrontés, mais il nous oblige également à collaborer efficacement pour défendre nos valeurs communes et générer des résultats concrets conforme au mandat confié par notre Constitution. Pendant près de 8 décennies, notre organisation a réalisé des avancées capitales, de la promotion de l'accès de tous à une éducation de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, à la sauvegarde de notre patrimoine culturel, naturel et immatériel, de la promotion de la diversité culturelle à la défense de la liberté d'expression, de la stimulation de la coopération scientifique internationale à l'élévation des normes éthiques et la défense des droits humains. Malgré nos efforts et ceux de l'ensemble des Nations Unies, le monde que nous habitons semble se désagréger. Le progrès des objectifs du développement